Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour tester le jeu Tower of Fantasy version PC. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. C'est la version bêta, la version américaine. Bien sûr, le jeu n'est pas encore sorti. Le jeu est en bêta fermée pendant 5 jours. Elle démarre aujourd'hui même le 22 à 3h du matin. Enfin, elle est disponible depuis 3h du matin. Sur ce, on y go. J'ai déjà fait le tuto. C'est une claque, hein. Il y a une différence de graphisme entre mobile et PC, hein. Ça m'a mis une belle claque en termes de graphisme. Ça fait du bien. Du coup, là, on va partir sur le début. Bien que je lui parle. Hein. Un petit bug. Ça commence déjà. J'appuie sur F. T. Ah, enfin, ok. On découvre. Oh, la claque. Oh, je kiffe, hein. Je kiffe déjà en termes de graphisme. Déjà là, je kiffe. Déjà, en fait, ils ont annoncé que celle-là pourrait être la dernière bêta avant le lancement. Ils ont déjà prévu la date de sortie qui est prévue pour le troisième trimestre. C'est une annonce officielle, ils l'ont publié sur leurs réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et tout, sur leurs autres réseaux sociaux également. Et réellement, cette bêta fermée là, je m'y attendais pas. J'ai été au courant juste il y a environ 2 semaines de cela. Et réellement, ça m'a fait plaisir. Là, pour ceux qui sont sur PC, je vous mettrai le lien de téléchargement pour tester cette version-là. Pour ceux qui sont sur mobile, vous pouvez également tester, mais ça m'étonnerait que vous puissiez pour le moment la télécharger. Bien sûr, je répète, les données ne seront pas sauvegardées vu que c'est une bêta fermée qui est disponible que en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et au Brésil. Je vais baisser un peu le son du jeu. Sinon, vous allez pas m'entendre, je pense. On peut pas skip. J'ai pas encore changé la totalité de mes touches. C'était juste pour vous dire qu'il faudra sûrement attendre encore un peu pour que je me mette à jouer correctement ce type de jeu, parce que moi je suis, quand je joue sur PC, j'ai tendance à jouer surtout au FPS et non au MMO, tout ce qui est open world et tout. Genre Genshin Impact, j'ai vite fait jouer, mais très rapidement, mais c'était à sa sortie, du coup ça remonte à plus d'un an. Vraiment, graphiquement, il est incroyable le jeu, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Ok. De ce que j'ai lu dans les news du jeu, le niveau max qu'on puisse atteindre, c'est le niveau 25. Il nous donne des ressources de... Je crois que c'est les récompenses de préinscription. Il nous les donne pour cette bêta. Bien sûr, ils vont nous les redonner pour la sortie du jeu. Et on aura, je pense, de quoi invoquer après. Dans tout cas, je vais vous préparer une série de vidéos là-dessus. Parce que c'était un jeu que j'attendais depuis très longtemps. Maintenant qu'il est sorti, je suis complètement refait. Parce que réellement, là, une claque monumentale. Hein. Ok. On va prendre quoi? Sur mobile, j'avais pris celle-là, je crois.
Ouh, celle-là, j'aime bien. Celle-là, on va regarder. On va regarder ça. Hein. L'été. Hein. Donc, j'ai cette apparence. Ok. Ouh, il a bon goût, le gars. Il ou elle a bon goût, hein. Nothing like some brand new clothes, am I right? Thanks for your help. Il y aura des petits passages que je couperai pour pas que la vidéo soit trop longue. On va éviter de dépasser les 15 minutes. Histoire histoire que les vidéos ne soient pas trop longues et trop ennuyantes par le coup. Pas du coup, parce qu'il y aura à des certains moments des petits blancs, parce que j'aime pas parler tout le temps en fait. J'aime bien laisser des petits blancs. De temps en temps, quand je joue en show focus. How does it feel to fly? Don't worry, just hold on tight. Trust me, I'm an expert. Retrieving records. Par contre, au début, le tuto il est très 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 long. Genre, je crois qu'on en a pour une quinzaine, vingtaine de minutes. Genre, si on rush pas le truc. Mais prenez du plaisir, tranquille. Il n'y a pas forcément un système de celui qui va le plus rapidement possible. Dans tout cas, là, c'est une bêta. Prenez du plaisir, ne tryhardez pas. Il y a déjà des tutos chez les Chinois, les Japonais, les Américains qui ont travaillé le jeu. Vous savez, vous pouvez savoir les erreurs à ne pas faire pour le jeu. Moi, là, c'est plutôt du gameplay, du let's play que je vais proposer. Test des persos et des et surtout invocation sur les différents portails qui sont disponibles sur ces 5 jours. Et jusqu'à que... Jusqu'à que je sorte, je fais en sorte de sortir pas mal de vidéos. Et... Good job. I'll take the data to Alfred. Anyway, it's all... Analysis. I'll take you to meet Fenny. Today. Got someone to introduce to you. About the space rift. It's best if my brother doesn't find out, okay? Log. Records show that the shelter had 8 accidents this month, and Shirley was responsible for... Cut it out, Mia. TMI. So, this is our space rift. I don't actually know. Huh? The backup filter is in the little building over there. Do you see it? Just install the filter and we're done. Will you help me push the filter in? I think something might be stuck. Got it. Easy as pie. Now a test on us, of course. I'm here at Banshee's port and... Ah! What are watchers doing here? Get away from me! Oh! I hate bugs! Ha!
Ok, là on va passer à ça, tranquille. Comme je vous dis, je laisse vraiment beaucoup beaucoup de monde dans mes vidéos. Je le fais parce que j'oublie de parler ou quoi. C'est juste que ma façon de faire, pour ceux qui vont me découvrir ou autre. You're safe, Shirley. Phew. Careful. Don't let my brother know that we're sneaking out. Is the person you're looking for just outside of the shelter? Not much further. Come on. See that huge boulder over there? The one on the... Yes, I see it. But it looks like some sort of project... Zeke said it's... What is it? It's a long way to get down this cliff. So, how about a shortcut? Don't worry. Je crois que c'est là où on va découvrir le vol. Ah non, pas encore. Pas encore, je pensais que c'était là. That was fun, wasn't it? We're gonna cross the river. You do know how to swim, right? How about a race? Okay, I'm counting down. 3, 1. De quoi, comment elle a fait? Ok, ben moi je vais nager, hein. Stay here and don't cause any trouble. Oh, le blaze. Don't worry, you know me. On découvre le vol. Parti. Je ne peux pas utiliser le vol, ok. On ne peut pas utiliser le vol, ok. Faut que je le fasse manuellement, je crois. Ok. Enfin, quand je l'ai manuellement, H, ok. That's the Omnium Tower, but the surrounding area belongs to the hyenas. Be careful. Ouh, le gameplay aérien, il est pas mal du tout. Hein. Ok, pas mal. Je galère un peu, ok. Bon, c'est normal. J'ai le temps ou pas? Ok. Ah, c'est le collègue là-bas. Voilà. Parti. Waouh, il est incroyable le jeu. Mais je pense qu'on va s'arrêter à là et qu'on va faire une deuxième partie. Parce qu'on en aura pour très très longtemps sinon.
Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là pour la première partie avant les invocations. J'espère que la vidéo vous a plu. Petit pouce bleu. Comme je vous l'ai dit, le jeu, pour moi, c'est une pépite pour le moment. On verra concernant les farms, combien de temps ça va nous prendre pour XP et tout. N'oublie pas le petit pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Ça fait énormément plaisir. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.